streamer Prankeuse aujourd'hui, donc. Ah, on va entendre la musique pour la première fois. Il manque le. Alors, nous avons un nom. Nous avons une action. Nous avons un bouquin magnifique. Alors, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est. Ah, roi. Coucou, roi. Ouh, prank. Alors, avec roi, il y a des pranks qui peuvent être très sympas. Comme ça, par exemple. Voilà, on se retrouve pour Clore. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Du coup, j'ai pas tout fait le château. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Et j'ai pensé aussi autant que Roi mettrait à enlever tout ce bordel. Tirez un petit coup d'eye game, évidemment, hein, pour les esprits mal placés. Alors jetez votre nom. C'est bon. Bon, maintenant je commence à connaître, ça se referme. Press to play, c'est parti. Faut attendre 2-3 secondes. Ah, il a ajouté une petite musique. Il a ajouté la musique de Star Wars. Je crois que c'est ça. Hein. Putain, honte à moi, je ne me souviens même plus. D'où vient cette musique? Alors, attention. Oh, cool, Hypia. Proqué Zizani, what? Échanger tout le contenu des coffres. Foutre le bordel. Bon, bah Pierre, il ne sait pas, mais je vais le pranker en live. Alors, bon, bah, je refuse pas le défi, moi j'accepte. Ouais, foutre le bordel total. Regardez, hop, je vais garder tout ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout virer. On va foutre tout ça plutôt. Bah, près de son portail, c'est peut-être mieux, non? Comme ça, il n'aura plus aucun matériau ici. Allez, c'est parti. Ah, il a tous ses poulets. Oh, il a des jolis trucs ici. Eh bah ça va, il en a la Netherrack. Lui qui dit qu'il a miné plus de minerais de quartz que de Netherrack. Oh là, j'ai un petit lag là. Oui. Ok, d'accord. Oh merde, il est là. Non. Il va voir. On va prendre en live, les gars. Il m'a fait un petit vas-y que je te fous le bordel partout, donc il y en a partout. Il m'a tout inversé dans mes coffres. Merci Toy. Et hop, je mets mon nom et c'est parti pour le tirage. Et j'espère obtenir ce coup-ci une prank, parce que jusqu'à présent il n'y a eu que des kills et des trolls. J'ai bien vérifié, hein, le système n'est pas buggé, c'est assez étonnant, mais de toute façon c'est du random, donc chaque fois vous avez une chance sur deux d'avoir kill, troll ou prank. Alors quelle va être notre cible? Aurélien, ça j'aime. On va devoir le pranker, c'est bien ça, c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne. Et de quelle façon on va devoir... Oh, Zizanie, échanger tout le contenu des coffres, foutre le bordel. Oh, ça correspond bien avec Aurélien. Alors pourquoi ça correspond bien? Parce qu'il a sa méga salle des coffres. Donc moi je suis la bûche. Hop, petit papier qu'on va lâcher, on y va. Alors, donc pour rappel, ce qu'on a pendant un night game, c'est le nom d'une vie. Ah, il a ajouté une musique. Pff, la marche, la marche de Dark Vador, t'es sérieux?
Voilà. Donc on a un nom et ensuite une façon de pranker qui va être précisée. Hop. Alors. Alors. Oh, t'es sérieux? Ah non, botany. What? Botany. Alors, il faut que je prank Aurélien, ça, ça me plaît. Donc, ouais, il faut que je le prank. Et en tant que. Ah, plus verte, ça, ça me plaît. Ah, nous voici chez Aurélien. Oh, il a planté des fleurs. Joli ça. Donc nous voici chez Aurélien pour la fameuse prank, foutre la zizanie. Et ça y est, on arrive chez Aurélien. Donc vous voyez que j'ai décidé de le faire dans son île, enfin sur son île et non dans sa maison parce que concrètement c'est plus grand. Mais vous remarquerez qu'il y a beaucoup de nature quand même sur son île, pas beaucoup de boulot pour un botaniste. Surtout que voilà, en plus j'ai l'impression que tous les arbres il les a fait à la main, et là il a même rajouté plein de végétation et des feuilles partout et tout. Sauf qu'il y a un endroit où ce pauvre Aurélien n'a pas mis de végétation, et je trouve que ça ne va pas du tout. C'est ici, dans sa salle des coffres, vous voyez qu'il n'y a pas un pet de végétation, donc on va réparer ça avec tout ceci. On a une magnifique usine à fer qui va se transformer en usine à bois. Ça avance tranquillement, ça avance plutôt bien, je dirais. Ok, alors, prochaine étape, ça va être les arbres, j'ai envie de dire. En gros, je vais inverser tout le contenu des frames à un autre endroit, et ainsi que le contenu des coffres. La prochaine étape, c'est de l'eau, donc. Vous voyez là, eh ben, attention, transformation! Ta-da! Ok, alors je suis de retour et je suis en train de mettre de la bonne mine partout. Laissons le random faire les choses. Allez où bon vous semble, cher Blazerod. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va continuer à faire des arbres. Et le numéro, celui-là. On va commencer par ce coin-là. Parfait. Hop, celui-là. Hop, ta 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 ta. Hop, ici. Hop là haut c'est bien. Voilà un beau puzzle. C'est la canne à sucre. Il est sur quoi? Sur régénération? Non 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 non. On va mettre strength 2. Je crois qu'on est bon là, je suis assez fier de ma prank. Bon bref, je crois qu'on a fait le tour ici. Pierre qui poste hashtag fin du game une fois. Donc je me dis ouais c'est clair, c'est moi. Et en fait il a rechangé tous les items frame. Genre il y avait le gravier il avait mis là. Et puis dans le contenu des coffres il avait mis de la stone ici. Enfin il avait tout changé, j'ai dû tout remettre en ordre. C'était ça m'a pris du temps. Faut savoir qu'il y a eu 7. Il y avait eu 7 tirages à la game, et c'était tout des trolls ou autre chose. Et juste les deux premières pranks qui sortent du tirage à la game, c'est sur moi qu'elles tombent.